L'IUT de Troyes accueille deux artistes au bois pour une expo, un photographe et un plasticien, une exposition pendant un mois donc, une série de photos abstraites retravaillées sur ordinateur qui donne à voir, vous le voyez, les effets de strates et de matière entre le trompe-l'œil et l'abstraction, mais aussi la mise en scène de l'aspect sculptural des ceps de vigne. Patrick Guérin est l'un des deux artistes à l'honneur. Il explique le sens de son travail. Il est au micro d'Annabelle Millet. C'est une proposition de photographisme, on va dire. C'est-à-dire que c'est une base photo qui est retraitée derrière et qui apporte du graphisme, une réflexion aussi sur les formes. La base est une photo couleur sur laquelle je retravaille les saturations de couleurs. Je resculpte, on va dire, le bois. Vous savez, le photographe est à la fois un peintre et un sculpteur frustré. J'ai visité pas mal de scieries dans l'Aube. Je suis rentré et j'ai fait des clichés un petit peu dans toute forme. Et au fur et à mesure, j'ai fait un vrai travail de fond.